Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. The first part is right in French with Jocelyn Beth Bisaye. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12 h. Comme Frédéric Elanguet, père la mairie de Douala 4e, l'actuel patron de cet exécutif communal, a été battu par le docteur Mobimpa Edouard Hervé. Ce dernier, ancien conseiller municipal, a remporté 21 voix contre 20 au cours de la session de plein droit tenue ce matin et consacrée essentiellement à l'élection du maire et de ses adjoints. Et 48 heures après l'échange entre le président français Emmanuel Macron et un activiste à Paris, la présidence de la République du Cameroun rejette fermement tant les allégations mensongères du dit activiste que les propos surprenants du président de la République française. La présidence de la République du Cameroun, à travers un communiqué signé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, tient à rappeler que le chef de l'État, Paul Biya, est comptable de son action devant le seul peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-ce d'un pays ami. Le président de la République est pleinement engagé dans l'accomplissement de la lourde et exaltante mission que Dieu Tout-Puissant et le peuple souverain lui ont confiée et n'a pas besoin pour se faire de pression extérieure. Pour le secrétaire général de la présidence de la République, depuis la survenance de la crise dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour y trouver des solutions pacifiques. Ces efforts ont culminé avec la tenue du Grand Dialogue National dont les recommandations sont progressivement mises en œuvre. La présidence de la République demande de ce fait aux Camerounais de garder leur calme, de vaquer tranquillement à leurs occupations et de continuer, comme par le passé, à œuvrer au renforcement des liens d'amitié qui existent entre le Cameroun et la France. Massacre d'un garbour dans le Dongamantung, région du nord-ouest Cameroun. Des évêques de la ville de Bamenda sortent de leur réserve. Interrogés par nos envoyés spéciaux à Bamenda, ces prélats réitèrent que les attaques du 14 février dernier ont fait 22 morts, des chiffres bien loin de la réalité ou bien loin du bilan officiel annoncé par les autorités camerounaises. On voit tout cela dans ce reportage de Emos Fongor et Jean-Paul Chouniat. We are familiar with that, although it comes with it. Recevant les envoyés spéciaux d'Equinox Télévision dans la région en crise du Nord-Ouest, l'évêque de Kumbo réitère que les attaques du 14 février dernier ont fait 22 morts en Garbou. Des chiffres bien loin du bilan officiel de 5 morts annoncés par les autorités camerounaises. I have a list of 22 people. J'ai une liste de 22 tués, parmi lesquels 7 enfants et 2 femmes enceintes. Two are pregnant women. Ce sont des faits indéniables. And it's irrefutable. I have sent people. J'ai commis des gens sur le terrain. J'ai les noms et les âges des victimes. I have the ages of the people. Je peux les publier à tout moment. They can produce the names. They can produce the names at any time. Sur les présumés auteurs de ces attaques, l'homme de Dieu doute de la participation des séparatistes Amba Boys aux tueries d'un garbou. Des témoins nous ont rapporté que ce 14 février, à 4h30 du matin, certaines cases ont été défoncées. Les militaires recherchaient des séparatistes. Ils demandaient où étaient passés les garçons. Ces faits nous ont été rapportés par des témoins de la scène. Comment le dire autrement? Ce sont des faits. Aussi affirme-t-il que sur la base des témoignages des survivants, des centaines d'habitants ont déserté le quartier Ngarbou à la suite des exactions de la Saint-Valentin. Dans ce regard du clergé catholique sur la crise qui sévit depuis 3 ans au Cameroun anglophone, nous rencontrons l'archevêque émérite de Bamenda. Les 3 années écoulées ont été très difficiles. Les paroisses sont paralysées, les routes barrées, les villages rasés, les écoles fermées. Les élèves sont inscrits hors de Bamenda. Que d'exodes massifs. Pour lui, le crépitement des armes à feu entre l'armée et les séparatistes a plongé les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans un climat de terreur et de désolation. On a des villes mortes.
des confrontations quotidiennes entre l'armée et les séparatistes. J'en ai fait face. Des militaires patrouillent partout. Depuis l'éclatement de ce conflit armé, 600 000 personnes ont fui leur village. 50 000 réfugiés vers le Nigeria, plus de 2 000 morts, un bilan humanitaire décrié par les ONG locales, l'ONU et l'Église catholique. Drame en Boko, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Une famille décède après avoir consommé un mets traditionnel cuisiné par la maman. Les 4 corps ont été mis sous scellé par les forces de maintien de l'ordre qui ont d'ailleurs ouvert une enquête. Cependant, la maman qui a cuisiné le repas se trouve entre la vie et la mort dans un hôpital de la place. Le récit des faits avec Kedjara et Innocent Abega. Et je vous le disais, ce drame qui fait grand bruit au sein de l'opinion publique, le drame qui s'est produit ou qui est survenu en Boko Plage, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Une famille décède après avoir consommé un repas traditionnel cuisiné par la maman. Les 4 corps ont été mis sous scellé par les forces de maintien de l'ordre et la maman se trouve en ce moment entre la vie et la mort dans un hôpital de la place. Le récit des faits avec Innocent Abega et Kedjara. C'est l'émoi et la consternation au quartier Boko Plage, dans le 3e arrondissement de Douala. Après avoir consommé le repas du soir, 4 membres d'une même famille sont passés de vie à trépas. La scène se déroule ce dimanche aux environs de 21h, quand l'un des enfants de la famille dont il est question va tambouriner à la porte de la voisine pour demander de l'aide. Son père, couché à l'arrière de la maison familiale, est en train d'agoniser, tandis que sa mère et le petit dernier sont à l'hôpital pour soins. On vient derrière la maison, on voit comment il est couché, il fait comme ça, il en fait comme ça. Et le ventilateur est tombé sur lui. Je prends donc le ventilateur et soulève, c'est comme ça que ses deux frères entrent aussi. Il dit que pardon, arrêtez sa tête comme il frappe sur le sol comme ça là. Donc ils ont arrêté sa tête, mettre le pain. Le mari de ma locataire avec ses deux frères lui ont porté et son grand garçon là était là. On lui a porté, mais dans la voiture. Arrivé dans la voiture, je vois aussi que le garçon, il dit que même le garçon, son premier nez là ici dedans. On dit que oui. La suite se déroule comme dans un roman à suspense. Les membres de la famille, internés, soit 4 au total, décèdent les uns après les autres. Le chef de famille lui-même y passe, son épouse, qui avait pris la peine de réchauffer le repas pour servir la maisonnée, elle continue de se battre à l'hôpital. 4 sont morts, et le mari aussi est mort, la femme encore couchée à l'hôpital. Dans le quartier, la thèse de l'empoisonnement est vite soulevée, surtout qu'un voisin a des enfants eux aussi malades qui présentent les mêmes symptômes, même si chez eux, ils sont moins accentués. Ce matin, l'enfant dit qu'il va aller composer, il dit que tu comprends comment. Il se couche maintenant, il tombe. Et puis son ventre. Que s'est-il réellement passé dans ce quartier? Ce dimanche, les langues se délient et on dirige les soupçons vers la voisine qui a donné un anniversaire en journée, y conviant les enfants du quartier. Une thèse qui est tout de suite battue en brèche par un fait. Les parents des enfants décédés n'étaient pas présents à cet anniversaire. Et réputés stricts, ils ne laissaient jamais les enfants se balader à leur guise dans le quartier. La barrière est toujours fermée. Oui, même les enfants, même pour sortir, même quand la mère voit les enfants dehors, elle les tape. Elle ne veut même pas que les enfants sortent. De la baie est toujours fermée. Même moi-même, je ne connais pas si c'est le conchap qu'elle a préparé. Je ne connais pas. Je ne suis même pas entré dedans jusqu'à là pour voir si c'est le conchap. Une réalité qui redirige les soupçons sur la fameuse marmite de maïs, au haricot, communément appelée ici conchap. S'agit-il réellement d'un empoisonnement? Des enquêtes ont été ouvertes en vue d'élucider cette affaire. Autre fait ayant suscité de l'émoi et la consternation, c'est celui survenu à Bepanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Les corps de 2 enfants ont été retrouvés inertes dans un véhicule abandonné au sein d'un hôpital de la place. Les membres de la famille sont inconsolables. Julien Guignondé et Innocent Abiga. Des larmes et de la consternation au quartier New Deido, dans l'arrondissement de Douala Premier. Cette famille inconsolable vient de perdre 2 enfants. Il s'agit de Lamé Richard étant 6 ans et Madetuisse Victoriane 3 ans.
les tout-petits auraient trouvé la mort dans un véhicule abandonné dans l'enceinte d'un hôpital de la place. Ils s'y étaient rendus samedi matin pour assister leur grand-mère, vendeuse de nourriture dans le même hôpital situé à Bipanda. Je quitte cette maison samedi matin avec deux enfants. On arrive à Atcha, je les donne le déjeuner. Je suis en train de travailler. Deux autres clients entrent, ils me disent qu'ils ont deux billets de 10 000 chacune. Le drame survient au moment où leur grand-mère quitte son lieu de commerce pour aller chercher la monnaie. À son retour, les enfants sont portés disparus. Là où on a trouvé le corps des deux enfants, c'est là où je commence à fouiller les enfants parce que je savais qu'il y a une vieille voiture là-bas. Et regarde, je ne vois rien. La fouille dans l'hôpital, partout, tous les pavillons, je ne parviens pas à les retrouver. Des fouilles vont se multiplier pendant des heures jusqu'à la tombée de la nuit. Quand on entre donc dans la barrière de Atcha, je vois qu'on est en train de nous diriger là où je commence à chercher les enfants. On ouvre la portière de la vieille voiture, je trouve ma fille couchée sur le siège arrière. Le garçon couché là où on met les pieds. La tête de ma fille donne comme ça, celui du garçon de l'autre côté. Le père du petit et la mère Richard, revenu sur les lieux, a du mal à comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc ça veut dire que ces enfants sont morts, se sont assistés samedi à 12h. 24 heures après, le corps commence à se décomposer et l'odeur sort. Mais les enfants, à 2h30 hier, le garçon transpirait, la fille était mouillée, ses urines étaient fraîches. Donc ça veut dire que l'odeur était encore fraîche là. Donc ça, on veut me faire comprendre que mon enfant s'est assisté dans la voiture samedi à 11h et que lundi à 2h30 on le trouve pas décomposé mais plutôt chaud, vraiment, il faut vraiment que je retourne à l'école. C'est que je n'ai pas fréquenté du tout. Enfin, depuis samedi, s'ils étaient dans la voiture, ils seront gonflés. Les enfants ont le ventre creux. On a tué les enfants, on a enlevé les intestins des enfants. La peau de son ventre touche son dos. C'est comme ça qu'il y a un creux dans son ventre. Mais pas d'ouverture. Je ne sais pas comment ils ont fait. Le sous-préfet de Douala 5e, descendu sur le terrain, a instruit une enquête. Les corps de Richard Etan et Victoriane ont été déposés à la morgue de l'hôpital à Kintini de Douala. Je vous invite à présent à suivre la réaction du docteur Chouamo André. Il est médecin-chef de l'hôpital de Atcha. Il revient sur les circonstances de la découverte de ces corps et le flou qui l'entoure. L'information m'est parvenue samedi en mi-journée de la disparition de ces deux enfants qui étaient venus rendre visite à leur grande-maman qui exerce une activité commerciale dans le complexe. Donc, l'information parvenue à notre niveau, on a mobilisé tous nos gardiens, tout le personnel pour voir si on pouvait porter main forte. Bon, malheureusement, c'est dans la nuit, donc de samedi, que le gardien, dans la routine, puisque je les ai instruits de renforcer la vigilance et la sécurité, donc dans leur patrouille, ils ont constaté effectivement que les deux corps étaient dans un des véhicules garés dans le complexe abandonné. Immédiatement, nous avons saisi les autorités. Et la police judiciaire et la gendarmerie pour ouvrir une enquête parce que nous avons estimé que c'est une mort un peu suspecte. Donc c'est ça. À présent, un public reportage. Orange Fidélité gratifie ses derniers gagnants de l'année 2019. Des hommes et femmes qui ont reçu du meilleur opérateur de téléphonie mobile des smartphones en échange des points qu'ils ont cumulés au cours de l'année via le code dièse 200 dièse. Reportage. Orange Cameroun gratifie la fidélité de ses clients, les derniers, pour le compte de l'année 2019. Orange, à l'occasion de ses 20 ans, a bien voulu récompenser la fidélité de ses clients en mettant en place
ce programme de fidélité où on a distribué gratuitement plus de 20 000 téléphones, très exactement 22 000 téléphones. Il s'agit de clients qui, au courant de l'année 2019, ont brillé par leur fidélité, cumulant des points qui leur ont alors permis de gagner des smartphones. Il s'agissait pour nos clients de s'enregistrer à travers un code unique, le dièse 210, et de cumuler des points en fonction de leur consommation, internet, appel, SMS, et en fonction donc des points qu'ils avaient atteints, ils pouvaient les transformer et ainsi pouvoir gagner un téléphone offert gratuitement. Pour cette dernière vague de gagnants, comme pour toutes les autres passées avant, le plaisir de recevoir des lots prestigieux de leur opérateur est total. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir reçu le prix d'Orange Fidélité. Et pour moi, je trouve que ça fait plaisir de savoir qu'on compte pour Orange en tant que client. Avec cette cérémonie de remise de smartphones, Orange marque aussi la fermeture de l'année 2019 et le lancement du même programme pour le compte de l'année 2020. La cérémonie d'aujourd'hui marque la clôture du programme sur 2019, mais il est aussi la transition sur 2020 parce que le programme va continuer. Donc on s'engage résolument à continuer à récompenser nos clients les plus fidèles, continuer à marquer notre ancrage et à dire que ce que nous avons de plus important, ce pourquoi nous travaillons, c'est pour la satisfaction de nos clients, qu'ils puissent continuer à nous accompagner et à continuer à accompagner le développement de tout ce que nous faisons sur nos actions pour mieux les satisfaire. Pour ceux des abonnés qui ne se sont pas retrouvés dans la vague des gagnants 2019, il est désormais possible de faire partie des gagnants 2020 et cela en tapant le code dièse 210. Orange. Et la suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good afternoon once again. Good afternoon once more, Julien, and to our viewers. Good afternoon as well. Thanks for staying with us. Again, with the legislative, or rather the municipal elections, and to tell you that some mayors have been voted in various to head various municipalities in the country today, and the Douala 4 Council has a new man. Dr. Mobi Mpa Edward will be piloting affairs of the municipality alongside councillors who have been elected. That's early today, and Dr. Mobi beats outgoing Mekum Frederick, that was by 21 votes against 20, and he is the new pilot that will be handling affairs of the Douala 4 municipality. And we now talk about the reaction of the presidency of the Republic of Cameroon regarding the outing of French President Emmanuel Macron. That was on the 22nd of February 2020. And after the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, reacted to the outing of the French president, the minister delegate or secretary general in the presidency of the Republic of Cameroon, that Ferdinand Gongo on his part, issued a statement to protest against the claims of the Cameroonian activist Calibro and against the revelations of French President Emmanuel Macron. In essence, the minister of State Secretary General and the presidency, Ferdinand Gongo, rebukes words of the activist and Emmanuel Macron. He claims the Cameroonian president is accountable to the Cameroonian people only and not to a leader of a foreign country. He recalls that since the emergence of the Anglophone crisis, President Paul Biya has spared no efforts to have it resolved. And here in the nation's economic capital, we're talking about the sad story which took place, that is in the Douala 3 municipality, where a family witnessed a tragic incident. Four members of the family died after consuming a meal, and two of them have been hospitalized in the hospital, as reported by Immaculate Fogui. Shock and consternation in the Bokoplage neighborhood in the Douala 3 subdivision. Four members of the same family, after consuming corn and bean stew, popularly called conchaf,
have passed away. The neighbors were alerted by the lone child who did not consume the meal. We came into the house and saw the father on the floor. I noticed that the fan had fallen on him, so I had to carry it away. It was later that his two brothers came in and gave us a helping hand by taking them to the hospital. She prepared a meal 2 days ago and ate it with her husband and her three kids, but one of her kids did not eat the meal. The three children and their father are dead, and the mother is still battling between life and death in the hospital. Investigations have been launched to establish the circumstances that led to the unfortunate incident. Just like investigations have been opened to ensure that the root cause of the death of two children in Bepanda in the Douala 5 municipality is known, and the two kids were discovered in an abandoned vehicle in front of a hospital. Svanjukan Gebo tells us more. 6-year-old Elame Richard and 3-year-old Mother Chisi were the two kids discovered dead in an old car parked at the hospital premises in Bepanda early Monday morning. The kids, according to the grandma, were with her on Saturday at her business place within the hospital premises. I left the two kids on a tree playing while I went out to change money from customers. Where they met the corpses was the same place I started the search, since there was an old car parked there. I looked but saw nothing. In the hospital wards too, I searched but nothing. If they were in the car, they would have swollen. Even before they could be discovered, the father to the 6-year-old Elame had been at the same place in search of his son. I went into the hospital premises and made a 45-minute search, but saw nothing. 2:30 a.m., I was informed that the children were found dead inside a car with its chairs broken, and I asked if anything has been touched. Le garçon qui est couché là, est-ce que c'est la scène du crime? Il me dit oui. Est-ce que vous avez touché à quelque chose? Il me dit non. C'est comme ça qu'on a trouvé. Dit, okay, y a pas de souci. The father of late Elame believed the kids didn't die in the car. Que si les enfants entrent dans la voiture à 11h? If my children got into that car at 11 a.m., all four doors locked and no windscreen down, these children can't withstand. Normally, if they died because of heat, they should have decomposed. But when we saw them, the boy was sweating and the girl was wet with fresh urine. This can't be possible for kids who got missing since Saturday. Le garçon transpirait, la fille était mouillée, ses ongles étaient frais. Donc ça veut dire que l'odeur était encore fraîche là. Donc ça, on veut me faire comprendre que mon enfant s'est asphyxié dans la voiture samedi à 11h et que lundi à 2h, on le trouve pas décomposé, mais plutôt chaud. Vraiment, vraiment, il faut vraiment que je retourne à l'école. C'est que je n'ai pas fréquenté du tout. Alerted as a result of the incident, the divisional officer of Douala 5 subdivision, Fombele Matias, was at the scene of the incident. Receiving population, you are not in charge of population, the government is in charge of population. Look at the incident last year, sir. It could be that, just some sort of negligence for the man to park his car here. Otherwise, the children would not have found themselves in that abandoned vehicle. And virtually, those children were playing. No, they were just playing. I'm sure they were just playing. And look at the situation now. I reported to the governor, the SD, the SD was coming out. But you give your statements, they have to take you there. The authorities of the hospital where the incident occurred were also involved in search of these kids. We were informed that two children have disappeared. Two children who were in the complex, not for consultation, but they came to visit their grandmother who is selling in the complex. The grandmother discovered that those children have disappeared, and we were informed. In our level, we tried to mobilize all our security guards to
to search, nothing was found. It's only in the night of Sunday that they discovered that those children were dead in one of the cars who is parking in the complex. Immediately, we informed the authorities about the situation, and now they are trying to have an idea on what could have been the cause of their death. That is the situation presently. As the family of these kids continue to mourn their children, security forces have opened investigation to get to the root cause of the demise of these two kids. And the French ambassador in Cameroon has visited the southwest regional chief town Boya, and he met with youths and equally says the youth should engage in activities that will enable them to be productive in the society, given their difficulties they are facing as a result of the socio-political impasse. And he equally made some statements regarding the persistent killings in the two English-speaking regions of the country. Derry Jato tells us more. We are in Kwen, Bamenda 2 subdivision, and the place is a little busy, but not as busy as it used to be before 2016. And on ordinary days, there are some few persons here who are moving around, some bikes passing around, and of course, the atmosphere remains quite tense, very tense here. It is, of course, Operation Ghost Town, which is respected across Bamenda, across Anglophone Cameroon, but at different degrees. And we have one of the persons who are here managing to put things right. Tell us, how is it happening? We are just managing. We are trying. For example, I'm a bike man. I'm a family man. So I've tried to come out because of hunger to look what I can serve me, myself, and my own children. Even today is Monday. What I've gotten since morning, about 2 to 3,000 francs since morning. By, let's say, by 12, I'm to go back, and everything is risky. And we are not entering into quarters, because if we enter into quarters, there are those boys there, so we are afraid of them. What we're doing is that we just remain here at Total because they don't come here. And that's why we are here, even in the market. Thank you. He is one of the few courageous persons who could speak to us here. Many of the people are scared of the unknown, and so they will not open up to the media. We have another city dweller here, and he was talking to me about the impact of the Operation Ghost Town, the difficulties they are facing to move around, and of course to do other things. Well, the issue has been that this has been the trend over the years since 2016, and to us, I don't really have much to say, but I'll say that it is really disturbing. It is something that curbs down even development, and apart from that, it even like kills personal initiatives, and it even like makes it very difficult for us to put food on the table. This is not something that we need to like still maybe continue in it. So I just want to like say that this is a time for God to really do something. It is time for us to really pray so that such moments should not still be again. Yes, because it is really devastating our existence. It's really like destroying some of the good minds that we had to really like maybe build good initiatives. You see, a day like today, one could not even like go a little bit distant just because the means of even transport is like down, and even other things, even to get some basic items, maybe to keep the family together, is not really easy. This is Kwen, Bamenda 2 subdivision. It is a little busy compared to other places around town where there is complete dead silence. From here right up to up station, it's a little easy for the bikers to be able to move through, but very difficult in other parts of Bamenda. It's all about that production mix-up.
That's it for this edition of the 12 p.m. Balingua Newscast. Julien Bev, have a nice day. Je vous souhaite également une très belle journée. Innocent Nazem, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Les programmes se poursuivent naturellement sur la chaîne Leader.